Oui, bonjour, bonjour, c'est un frère. Bonjour, bonjour, c'est un partenaire. Bonjour, bonjour à tout le monde. Voilà, aujourd'hui aussi, on se trouve dans une nouvelle vidéo aussi. Voilà. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va parler On va parler ce que tu, les jeunes Africains, ce que tu dois quitter dedans. Donc on va se parler de ça aujourd'hui. Premièrement et on va commencer avec l'entrepreneur voilà il y a beaucoup de majorité de personnes qui gagnent les difficultés avec l'entrepreneuriat grâce à les partenaires de travail grâce à les amis à grâce à les frères parce que il va les présenter l'activité dont les personnes les signes les personnes vont lui montrer donc c'est pas un bon signe donc je vais vous parler de ça parce que tu vois si tu présentes un jeune africain tu vois c'est fait quoi il va se dire que, attends, je vais aller demander mon père. Ou soit, attends, je vais aller demander ma maman. Ou soit, attends, je vais aller demander mon oncle Ou soit, j'ai un grand frère dans les quartiers. Ou soit, j'ai un frère, je vais lui prendre des conseils. Ou soit, j'ai une maîtrise, je vais lui aller prendre des conseils. Donc, tous ces trucs-là, ça va te tuer quoi? Parce que les domaines que ton frère te parlé, ou soit les domaines que ton ami te parlé, lui que tu vas aller lui demander, lui qui n'a rien dans les domaines-là. Donc, toi, tu vas aller lui demander, il va te dire quoi Il va te dire qu'il faut attention des gens entreprises là. Donc, il faut attention des gens affaires là. Et, parce que lui, il va te dire ça. Parce que c'est ça que lui, connaît. Mais lui, il ne connaît pas l'entreprise. L'avantage de l'entreprise, lui, il ne connaît rien dedans. Donc, lui, il va te tuer. Parce que l'âge que toi, tu as maintenant là, l'âge que tu as, tu as 22 ans, ou soit tu as 25 ans, ou soit tu as 28 ans même. Donc, après les 28 ans, toi, tu n'es pas capable de commencer une entreprise, tu n'es pas capable de créer ton entreprise. Donc, qu'est-ce que tu attends encore Tu vas aller donner ta, ta vie à quelqu'un d'autre, pas qu te conseil ou quelqu'un d'autre qui n'a pas le même domaine. Il va aller te conseiller, c'est tu sais quoi Donc, c'est lui qui te présente ou soit euh, c'est lui qui te montre les l'activité. Tu, tu confesses pas lui ou soit tu, tu lui connais pas. Si tu fais confiance à lui, il faut continuer avec l'entreprise. Voilà. Lui aussi, il est, il est dedans. Donc, il t'a il a montré les chemins, comment devenir riche, comment devenir liberté financière. Faut lui écouter, faut commencer avec lui, c'est tout. Pourquoi tu vas aller demander des de majorités de personnes comme ça là Ou soit, s'il si voit quelqu'un, il a quitté ou, ailleurs, il est venu au Mali ici, donc lui, parce que c'est lui qui connaît tout. Non, c'est pas ça. Tu peux gagner quelqu'un, il est à Chine, ou soit, il est à France, ou soit, il est aux États-Unis, mais. Il connaît rien dans le domaine de l'entrepreneuriat hein? parce que c'est pas les, les gens qui sont quittés là-bas et tous connaît les entrepreneurs. Non, non, ça c'est tu, tu, tu trompes, tu trompes de ça. Et les gens qui sont ici, les majeurs, il, il, il y a des gens ici qui connaissent l'entrepreneur plus qu'il y a des gens à, à, à serrière, tu vois. Non, donc faut pas penser que Qu'ils sont quittés là-bas, ils connaissent l'entrepreneuriat. Non, c'est pas ça. Il ne faut pas aller dire que je vais aller prendre des conseils avec eux. Non, c'est pas ça. Tu te trompes. Ils n'ont pas entreprises Ils n'ont pas, entreprise, pas les mêmes entreprises. Ils n'ont pas d'entrepreneuriat. Comment ils peuvent te conseiller Ils ne peuvent rien te dire. Et ça, tu vois. Donc, désormais, ce que tu les jeunes Africains, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est quoi Comme Facebook, TikTok. Instagram, et Netflix, à tous les sacs. Tu vois, non? Il veut aller là-bas pour suivre un, un, un artiste, il va aller là-bas pour suivre un joueur, il va aller là-bas pour supporter des gens. Ça lui donne rien. Aujourd'hui, on peut gagner de l'argent avec les réseaux sociaux. Aujourd'hui, là, si tu n'es pas prêt à ta vie à main, qu'est-ce que tu dois faire? Moi-même, avant, là, moi, j'aime la rap. J'ai regardé beaucoup de rappeurs, tu vois, non, sur les réseaux sociaux. Mais pour le moment, j'ai arrêté tout ça. Parce que je vois que ça ne me donne rien ça ne mon temps aussi. Et tu vois, toi tu vas aller regarder Cristiano Ronaldo ou soit Lionel Messi, ça te donne quoi Ça te donne rien. Mon frère, il faut arrêter de supporter, il faut arrêter de devenir quelque chose de trucs truc-là comme ça. Là, quoi. Ça, là ça ne te donne rien. Il faut grandir, il faut, faut, faut faire quelque chose qui te donne quoi. Il faut, 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 faut faire actif quoi, tu vois. Il ne faut pas aller faire patif, tu vois non parce que c'est rien quoi, tu vois, non. Voilà. faut a, faire les actifs, donc quelque chose qui doit re, revenir quoi, tu vas non. faut faut activer ça. donc Ça, ça va te donner beaucoup de choses, tu vas non. Sinon, allez regarder les artistes. Quel artiste est un succès maintenant? Quel artiste est... Un... Non, l'artiste va devenir riche. Mais c'est toi qui vas devenir riche. C'est vrai, il faut écouter la musique souvent. Faut regarder les matchs aussi souvent, mais c'est pas tout le c'est pas tout ton temps donner ça, quoi. Toi aussi, si tu veux les réseaux sociaux il y a un rôle là, tu dois jouer ça pour gagner l'argent. Tu vois, non Voilà, donc faut planifier ça aussi. Voilà, donc, euh, troisième mois, on va parler des de, grains de thé. Il y a la majorité des jeunes, ils vont aller s'asseoir sur les grains de thé en Afrique, ici. Donc, les grains, même là, vous allez faire les débats... toi-même tu sens, sens mal quoi tiva non à, à, à la fin de gra toi-même tu sens mal donc vous, vous allez venirçasoit dans le gr ju heure jusqu'à trois heures du matin ousoi deux heures du matin tsen aussi mal parce qe vous allez venir fair des débats jusqu'à la fin donc ça te donne quoi Il y a une rankin aussi avec quelqu'un d'autre dans le grain vous n'aime pas bonfauttdean monfère Faut aller c'est pas facile hein? moi même ça m'arrive c'est pas facile même faut essayer de quitter dedans tu vois faut te débrouiller pour quitter dedans pour aller et faire quelque part donc c'est là que tu un nouveau sous va venir c'est là que tu vas gagner des bonnes sous quoi tu vois mais en tant que tu n'es pas quitté là bas là tu peux jamais gagner ce que tu veux même si si tu veux te déplacer dans les quartiers la même ou soit même si tu veux te déplacer dans les villes là même d'aller ailleurs tu vas dans autre ville ou soit autre pays même. Et d'aller venir là-bas en celle Donc, là que tu vas prendre tes vacances et tes à celle Tu vas voyager celle Tu vas non C'est là que tu vas prendre ta vie à main. Tu vas... Mais si, si tu restes avec les gens, les personnes là, vous allez venir faire des débats. Des débats, là, ça te donne quoi Ça te donne rien, mon ami. Faut quitter dedans. Donc, ça, c'est troisième. Quatrième, on va parler des. À côté de l'amour, voilà, parce à cause de l'amour, il y a certaines personnes n'arrivent pas à quitter de cette chose-là. Toi-même, tu vas, il y a un fils tu tu lui aimes, lui, il es influence trop, il te influence, si lui il parle seulement, même si c'est pas vrai, même si lui il parle, même ça, ça ne pas, il, il n'est pas le choix, tu vas accepter parce que tu, tu lui aimes. Donc, ce que je vais te dire, il faut quitter dedans c'est pas facile mais faut y aller tu vas non faut y faut quitter dedans mais pour quitter dedans faut nous écouter faut écouter les formations faut écouter tout ce qui parle de développement personnel si tu n'es pas parlé de ça tu peux pas quitter dedans c'est là qui va te grandir c'est là qui va te devenir un homme tu vas non parce que un esprit aussi a besoin de nourriture un nourriture d'esprit c'est quoi c'est les formations voilà faut prendre bon formation pas c'est pas une mauvaise formation faut prendre une bonne formation ça ça, ça les nourrir de aussi. tu vois donc faut quitter dans les, les, les trucs là quoi tu vas non voilà cinquièmement je vais parler des cinquièmes je vais parler de l'emploi tu vas non il y a certains emplois là si tu n'es pas quitté de tu peux pas autre fait autre chose tu n'es pas de temps tu n'es pas de l'argent donc faut arrêter de travaux là quoi tu vois non faut pas penser que si toi tu as arrêté de, de, de travailler là bas là c'est le fin du monde non c'est pas ça faut arrêter de travailler là bas tu vois non faut qu'il y ait de l'emploi là bas donc c'est Dieu qui va faire que tu peux gagner un autre travail sinon c'est pas Dieu qui va faire que c'est pas grâce à Dieu c'est grâce à Dieu donc si tu as arrêté de travailler là bas tu vas gagner de tout le bon travail aussi tu vois non, voilà tu vas gagner bon travail et tu vas prendre ta, ta ta vie à main, ta chemin aussi, tu vas prendre ça. Et toi, ton, ton destin aussi, tu ne veux pas fuir ton destin, tu vas prendre ton destin mais main. Donc, ton responsabilité aussi sera ta main, tu vois. Non, il y a certaines personnes, il est en train de travailler à grâce à 40 000 par mois ou soit 20 000, même. Il y a des certains besoins, les 25 000 qui travaillent par mois. faut quitter dedans. Ça, là, ce n'est rien. C'est rien, faut venir et faire une affaire, tu, tu vas gagner plus que ça, tu vois non Mais si tu n'es pas quitté dans les 25 000 là, comment tu veux gagner 50 000 par mois ou soit 100 000 par mois faut quitter là-bas, donc si tu quittes là, ça va te grandir, tu vas gagner ce que tu veux quoi, tu vois non Voilà, faut pas venir sur les réseaux sociaux gaspiller ton argent, 3 000, 2 000, 5 000 comme ça, tu gaspilles ça... Avec les réseaux internet, toi tu gagnes rien et, et tu n'es pas quitté dedans. faut quitter dedans mon ami. Donc c'est ça que moi je voulais vous dire, voilà. Donc les cinq chiens là, voilà, faut noter, donc faut quitter dans tout ça là. C'est ça qui tu va tuer les jeunes africains, euh, voilà. Donc il faut qu'on ait qu'à réfléchir, il faut qu'on ait qu'à grandir, voilà, tu vois non. Il faut qu'on ait qu'à gagner des rêves pour développer l'Afrique, voilà, tu vois non, voilà. Donc, n'oubliez pas que si déjà a fermé une porte, il est déjà ouvert une autre porte. Donc, bonne journée à vous tous. Donc, bonne journée.